Allez, bonjour à tous et bienvenue sur le serveur WG. Et pour cette nouvelle année, chose promise, chose due, voilà, les deux ailes du château sont bien avancées. Exactement comme je le souhaitais. Vous voyez là-haut, il y a également une espèce de petit Père Noël qui s'est installé. Donc voilà, je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux de bonheur, de tout ce que vous pouvez souhaiter pour cette nouvelle année 2015. D'ailleurs, moi, j'ai eu le petit Papa Pilou Noël qui m'a apporté des petites choses. Là-haut, il a laissé encore plein de choses. C'est un fou. Donc voilà, meilleurs voeux, bonne année, bonne santé. Et pour fêter ça, pour fêter la fin de l'année 2014, et le début de l'année 2015, on va faire quelque chose, une nouvelle série qui, je pense, sera récurrente sur la chaîne, une fois par an. On fera un zapping de tout ce qui s'est passé dans le LP. Je me suis énormément amusé à vous collecter des petites séquences des choses les plus sympas qui se sont passées cette année. Et donc, c'est parti pour le zapping 2014. Il y a quelques jours, le serveur WG Wargamer est reparti à zéro. On a refresh la map. Donc voilà, ça fait quelques jours que je ne me suis pas connecté. Et c'est parti. On va aller voir à quoi ça ressemble, la nouvelle map. Normalement, les gars ont commencé à bosser un peu dessus. Bon. Il a l'air de faire nuit et de neiger. C'est déjà... Ah non, il fait jour. Ok. Donc voilà. Une zone de montagne. Bon, la dernière, on était dans une espèce de petite forêt qu'on avait déboisée petit à petit pour faire une espèce de village. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Bière. Bon, par contre, montagne. Alors moi, je suis... Oh, les animaux font beaucoup de bruit. Je suis pas fan du tout du biome montagne à cause de ça. L'herbe qui est vert, caca, vert. Bon, ça s'appelle quoi. Donc je pense qu'on va très très vite s'éloigner. Très très vite s'éloigner et par là des montagnes. Je voudrais une jolie plaine avec de l'herbe bien verte, quelques arbres. Le top du top, ce serait une jolie rivière, quelque chose comme ça, un truc un peu sympa. Impeccable, carrément. Un village. Et j'ai vu aussi des citrouilles. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a une faille dans le coin. Ouais, une petite faille pour aller miner. Et une chatte, carrément. Alors ça, c'est cool. Impeccable. Bon. Ça, c'est fait. Ça, on se retrouve encore en dessous. Donc, je vais faire ce côté-ci. Ouais, je m'ennuie pas trop avec tout ce qui est plaçage de torches, etc. parce que j'ai un assez bon sens de l'orientation. Même pour les choses un peu compliquées comme ça, je m'en sors. Alors, un des secrets. Oh. Courage. Et voilà, je reviens tout de suite. Bon, bientôt à bout de nourriture. Et il y a une petite fiesta par là, où au bout on voit encore des araignées. J'ai déjà bien galéré avec les premières. Donc je sais pas si je vais y aller. Ouais. Bon. Aïe. Ça, c'est fait. Continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blocs d'écart. Décalé de 1 bloc.
Ouais, ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. Quoi d'autre? Un petit panneau ici. Allez. Auto-cuiseur. Auto-cuiseur. Allez. Auto-cuiseur 2000. Donc, on met les ingrédients, les items ici. Ils vont directement dans le four. Dans le four, ensuite, les comburants. Il suffit de mettre sur on et ça cuit. Voilà. Avec 3-4 seaux de lave, ici, on peut cuire n'importe quelle quantité. Et l'avantage, c'est que même si il y a des items qui sont complètement différents, de l'or, on peut rajouter l'iron directement, le fer, l'or dedans, tout se retrouve ensuite dans le coffre, ici, tout cuit. Et non. Mais je suis bête. Non, non, c'était une connerie. Non, c'est bon. J'habite là. J'habite juste là. Voilà, j'ai retrouvé enfin mon village. À moins que ce soit pas exactement par là. Et quand je pense qu'en plus j'ai dit que j'avais un super bon sens de l'orientation, on est n'importe quoi. J'étais sûr, sûr que c'était par là. Bon. Bah, c'est déjà ça. Qu'est-ce que c'est, un spawner à creeper? C'est pas possible. Sur les chapeaux de roue, c'est reparti. Impeccable. Ça y est, j'ai retrouvé mon village. Bon, j'ai fait une toute petite tour. Juste pour me repérer, quoi, en fait, pour savoir où il est. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce que j'ai récupéré de clé. Voilà. Je pense que ça y est, j'ai ce qu'il faut pour construire. Que j'ai assez de niveau. Voilà. Un beau cheval noir comme ça. Tornado. Voilà. Tu vas nous aider. On a du boulot pour déménager. C'est le grand voyage. On est parti. Qu'est-ce que... Ah, bon, encore un des moutons de Betty. Bon, et puis le fait de m'être mis en phare maintenant du village, on voyait bien les tours, donc c'était une très bonne décision de déménager. Hein, désolé les voisins. Bah, à très bientôt, hein, de toute façon, je suis pas très loin maintenant, je suis à l'est, par ici. 1000 blocs à peu près. Donc... Ah ouais, c'est un carnage ici, hein. Et... Des explosions de creepers. Bon, allez, on se retrouve au nouveau village. À tout de suite. On ne devrait pas être trop loin, et ça tombe bien parce que la nuit tombe. F3, 1002, ouais. Ouais, bah voilà. Suffisait d'en parler encore. Donc, mon nouveau village, une jolie plaine. Assez grande quand même, hein. Et puis, à proximité, juste à côté, une jolie petite rivière. Ça, c'est cool. Et puis, alors, dans le outil et bordel. Outil et bordel. Alors, qu'est-ce que je voulais? 1, 2, 3, 4. 1. Je vais regarder ça. Dans nature, je vais prendre de la canne à sucre. Et vous savez déjà ce que je vais faire. Donc, la première chose à faire, là, on va commencer à vraiment parler architecture. La première chose à faire, ça va être d'essayer de faire une espèce de plan, d'essayer de se trouver l'endroit idéal, et pour ça, la carte. C'est la seule chose à faire, une carte. Donc, on va voir ça, on va voir les environs. Hop! Donc le village, comme je vous disais, hein, la rivière qui est vraiment, vraiment sympathique. Le soleil se lève. C'est assez sympa par ici. Les hautes herbes gênent un peu. Ouais, vraiment sympa.
cette petite île là qui méandre là. Ici, c'est peut-être un peu limite pour construire le palais. Et encore, pourquoi pas, on a une belle longueur là. Ici, ça peut être comblé pour arrondir un petit peu la rivière. Et puis... Ouais, ce serait pas mal. Se limiter, c'est une bonne idée en survie, je pense. pas essayer de construire un truc trop gros. Voyons voir. On va s'éloigner un peu, on va essayer de pas croiser de creeper. Construire de nuit, ça va pas, non. Bon, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, l'histoire, c'était ça. C'était de faire un bâtiment en briques, en en mettant quand même assez peu, pour que ça reste sympa. Et voilà. Creeper, ne jamais construire la nuit. Sympa, les gars, Mojang, vous avez rien d'autre à faire le 1er avril, non? Ça vous dit pas rajouter, je sais pas, une petite barrière en sandstone ou en briques, non? Ça vous dit rien? Bon, ok. Non mais Tornado, t'es sérieux là? Non mais qu'est-ce que tu fais en bas? C'est quoi ça? C'est une fiesta avec les moutons quoi? Bah allez, remonte mon grand. Non, c'est bon là, ça suffit. On a du taf là. Non. Ah, faut que je vienne te chercher, c'est ça? Ah vraiment t'exagères. Hein. Non mais... Ça, c'est une petite marque que je me suis mise. Ce serait pas mal, je pense, pour le premier bâtiment, celui qui serait en face. Donc ce serait... ouais, il faudrait le faire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. On va faire ça de 13. Donc là, je choisis de l'impair parce que je vais faire un bâtiment dont le toit ici sera assez pentu. Pour l'instant, je copie. Je m'en inspire fortement, on va dire. Et puis ensuite, je développerai un peu le concept. Je suis en train de réfléchir à la toiture de mon palais et je pense que la laine, je suis pas chaud parce que ça brûle. Donc, pas que j'ai peur des feux, mais que j'ai peur des orages. Certainement de la nether brick pour faire le toit. En plus, ça rappellera un peu le rouge des briques. Alors, solidité, efficacité, c'est pas mal. Hop, oui je sais, je mange trop de féculents, c'est pas bon, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, le bâtiment que j'ai un peu avancé, ici c'est mon petit abri à Enderman, je vais vous mettre un petit clip de ce qui se passe la nuit. Voilà. Donc j'ai avancé l'aile gauche là. Je voulais me rendre compte un peu de jusqu'où pouvait venir la cour intérieure du palais. En parlant de la cour intérieure, là, ici c'est du gravier, là c'est de la sandstone, hein. Beige, gris, gris, beige. Donc les gars, Mojang, sur les cartes, je comprends pas tout. Hein. Voilà, le gris est beige et le beige est gris. Non, on vous adore les gars, mais il y a des trucs un peu bizarres quand même. Donc voilà, j'ai avancé,
J'ai bien avancé. Les petites pierres bleues, là, je suis pas sûr. C'est un cadeau de Pilou parce que je les ai emmenés en. Lui et Tigranon en moins 1002. Moins 1002. X-1002, Y-1002. Il y a une plage là-bas avec du sable et. Non, ouais, non, je suis même sûr, je vais pas les mettre là. Ils m'ont donné en échange, enfin en pourboire, hein, parce que j'ai été leur guide. C'est jolie pierre bleue, donc je. C'est très décoratif. Je pense que je vais les mettre quelque part à l'intérieur, sûrement, pour faire ça bien. Voilà, une jolie porte. Voilà, c'est une classe quand même. Ici, j'ai remplacé par de la smooth. En fait, pour donner une impression un peu plus solide. Alors, je sais pas. Comment expliquer ça par rapport à des escaliers ou à des blocs? En fait, c'est un de mes principes. J'ai même peut-être... non. Voilà. Ce bloc-ci, les briques, semble, et il l'est, beaucoup plus solide que ce bloc-là. De ce fait, je ne fais jamais de construction. Enfin, j'essaye. Comme ça, ou en fait, par exemple, avec un poteau, on a l'impression en fait que le poteau qui est lourd et solide repose sur quelque chose de plus fragile. Je préfère largement ce système-là, où finalement, c'est les choses qui sont un peu plus fragiles qui reposent sur du plus solide, quoi. Si je veux rajouter des détails, souvent, ce que je fais, c'est je le fais devant. Là, ça pose aucun souci. Ou ouais voilà c'est mais toujours mettre les blocs qui semblent plus solides en dessous et les fioritures un petit peu parce que sinon enfin je trouve que c'est le but du jeu c'est d'être un peu réaliste et puis là vraiment c'est un peu léger quoi. Je sais pas si je vais faire un cliffhanger, c'est-à-dire que vu que je vois que l'épisode est un peu long, hop, je vous retrouve au prochain épisode. Ma mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu, où nul homme n'est jamais allé. Salut à tous. J'espère que Star Trek n'ont pas mis un copyright sur leur intro, parce que sinon je suis mal. Ma vidéo va être supprimée par YouTube. Bon. Le Nether, frontière de l'inconnu, là où nul homme n'a jamais posé les pieds. Ou pas. donc, il suffit d'une sorcière, et en fait, quand les sorcières vont être attaquées avec du feu, elles vont essayer de gratter une potion d'immunité de feu et la prendre pour se protéger. Ah, bon, celle-là est partie, peu importe. Donc, un briquet, un arc avec flame ou une épée avec aura de feu, et normalement, la sorcière va tenter de crafter une potion, la potion qui nous intéresse. Donc, il y a seulement un certain pourcentage de chances qu'elle le drop. Je vais faire la deuxième chose que je préfère dans Minecraft, à part en dehors de construire. La pêche. Yes. Non mais revenez, je déconne. C'est pas... Redstone. Les gens commencent à traîner un petit peu autour de chez moi, et ça j'aime pas du tout.
Il me faut un système de sécurité. On va pouvoir trouver notre candidat. Donc pour mon système, en fait, j'ai besoin d'un, comme je l'ai dit, d'un domestique, d'un majordome. Je vais essayer de trouver un zombie. On va s'éloigner de cela parce que c'est pas les bons mobs. Alors celui-là peut-être. Allez, tiens. Voilà, parfait. Donc c'est la liste des invités, hein, tu vois bien. Ok. Alors je n'ai pas trouvé de nom encore, il va falloir que je cherche ça. Je vais lui faire un petit emplacement, l'enfermer dans le coin. Il est juste en dessous là. Ah, ce serait parfait si je pouvais poser un bloc. Non. Raté. Allez, rentre. Allez, allez. Bon, à toi. Ah. La galère. Non, non, rentre. Rentre. Allez, viens. Voilà. Non. Non, 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 non. À tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, go! Je fais les accélérer, donc un petit t-shirt flash. C'était une petite private joke sur le forum. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que la fenêtre est vraiment sympa. Ça rajoute vraiment le côté gothique au bâtiment central. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, j'ai rien préparé du tout en vidéo, en accéléré. J'ai rien fait. Pourquoi ? Parce que les filles sont là et c'est l'occasion de vous montrer un peu ce que je fais, ou ce que j'ai fait sur le serveur, les filles. Vous êtes partantes ? Ouais. Donc j'ai vraiment, vraiment besoin de vous, parce que je veux avoir plein d'idées pour tout ce que je vais faire à l'avenir dans le serveur. Oui, pour améliorer un peu. Ouais, voilà. Avec vous, je suis sûr qu'on va améliorer les choses. Alors, je vais me faire des petites pancartes, comme ça, toutes les remarques que vous allez me faire, je vais pouvoir les noter. Je vais pouvoir tout marquer. Hop. Je pensais à des jardins à la française, des jardins symétriques, un peu comme au château de Versailles. Ouais, des grands, grands jardins juste devant le palais. Donc, pour faire ça, il va falloir que je remplisse tout ça. J'en avais parlé un moment, j'hésitais à remplir l'espèce de petit lac qu'il y a. Et à ce moment-là, la rivière, elle irait juste comme ça. Et tout cet espace-là, on l'aurait pour faire des grands jardins. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Oui, t'as raison. Allez, on commence. Hop. Jardin à la française. C'est noté. Comme ça, je me rappellerai. En fait, c'est que je vais faire mes appartements, tout ce qui est vraiment habitation sympa par ici, sur cette aile-là, qui se trouve au nord, donc l'aile nord. T'as pas vu l'étoile ? Je regarde la carte. L'étoile ? Tant que c'est pas l'étoile du nord. Tant que c'est pas l'aile ouest, comme dans La Belle et la Bête. Voilà. Ah. Ouais, l'aile ouest. L'aile ouest, ce serait par où? Ce serait au fond derrière. Donc on fera peut-être une aile ouest. C'est intéressant, ça, tiens. C'est là où la bête, mm-hmm. elle va. J'ai refait l'escalier un petit peu. Bon, rien de particulier. L'aile ouest, c'est une bonne idée, ça, l'aile ouest. Tout à l'ouest.
Et c'est là qu'il y aurait, à l'ouest, au fond, par là, par ici. C'est le lac qu'il y aurait, c'est par ici, en fait, l'aile ouest. Bon, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire une partie du château, on va dire, hantée, entre guillemets. Ça pourrait être sympa. Faire un truc un peu hanté. Avec des tableaux... En déco, ouais. Faire un truc sympa. Il y a des tableaux creepers aussi. Bah, ici, je me demandais ce que je faisais dans cette grande... Ici, il va y avoir un grand dôme au-dessus. Et là, je me demandais ce que j'allais faire ici. Un autre escalier. Un autre escalier, encore. Bah, ici, ça se prêterait mieux à Chambord, d'ailleurs. C'est bien rond. Je me demandais si je ferais pas... Ah, tiens, je vais descendre, je vais utiliser ma technique. Oh, raté. D'habitude, ma technique, je fais juste une petite lame d'eau. Voilà. Et hop, ça me permet de descendre. Ici, je me demandais si j'allais pas faire une tour à mob. Une tour à mob enterrée, en fait. Et tout le mob remonterait. Et ça irait bien avec l'idée du château hanté, en fait. Bah ouais, ce serait pas mal. Donc, l'aile nord, il y aurait les habitations. Et en fait, pourquoi ? Parce que je voudrais m'éloigner de l'aile sud, qui se trouve ici. Et il y a ici... mon serviteur. Coucou. Alors, Alfred. Alfred, ouais, Alfred. Voilà. Apparemment, Alfred, ça remporte un grand succès. Il y a de bonnes chances que ce soit Alfred. Donc ici, je vais faire en fait tout ce qui est usine, tout ce qui est un peu bruyant. Ça va être le côté usine, l'aile sud. Oui, sud. Et l'aile nord, ce sera le côté un peu maison, quoi. Comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal d'objectifs qui m'ont été donnés par les filles. Donc ça va être sympa. Pour faire tous ces objectifs, notamment remplir tout ça de dirt, de terre, et puis suivre un peu ici le cours de la rivière. Donc je vais remplir tout ça pour faire des grands jardins ici. Et puis j'ai encore le dôme à finir là, j'ai encore la toiture, enfin j'ai dans le bâtiment principal, dans le central pardon, parce que c'est pas le centre principal, là ici avec les ailes ça va être beaucoup plus grand. Donc dans le central là j'aimerais bien terminer avant l'épisode 10 quand même, hein, ce serait sympa pour l'épisode 10 d'avoir vraiment le bâtiment central fini. Par exemple pour ce type de spawner, on voit souvent les gens qui mettent de l'eau à ce niveau, et puis qui emmène les mobs en dehors de la zone du spawner. Moi, je creuse, et je vais vous retrouver en créatif pour vous expliquer un peu pourquoi. Et hop ! Donc, on se retrouve en créatif. Comme vous le voyez, j'ai construit un modèle autour d'un spawner pour vous montrer les différentes zones qui sont intéressantes. Donc, vous voyez là d'abord en rouge la zone dans laquelle, c'est la zone d'activation en fait, c'est la zone dans laquelle il faut que le joueur se trouve pour que le spawner puisse commencer à s'activer. Donc, c'est pas une zone qui est plus intéressante que ça, il faut juste se rappeler qu'il faut se trouver dans les 16 blocs pour que le spawner puisse fonctionner. Ensuite, on s'intéresse à la zone de spawn. Autour du spawner, c'est une zone qui fait 8 sur 8 et 3 de hauteur. Il faut simplement toujours se rappeler que c'est vers le nord et l'ouest, en fait, que la zone est centrée. Elle est centrée au point zéro de ce bloc-là, du bloc du spawner. Et ça se trouve donc vers le nord-ouest. Quand on dégage l'espace nécessaire pour le spawn des monstres, il faut toujours 4 cases vers le nord, 4 cases vers l'ouest, et 3 vers le sud, 3 vers l'est. Ici, ce qu'il va y avoir d'intéressant, ça va être de réfléchir un petit peu au mob, au type de mob qui va spawner. Si c'est un squelette, par exemple, un squelette, un zombie, un mob qui fait 2 de hauteur, on va avoir un petit problème au niveau de cette zone de spawn-là, parce que le bloc du dessus devra absolument être de l'air également, il faudra le creuser. Sinon, le bloc ne sera pas valide pour le jeu, et le jeu ne va pas essayer de faire spawner un mob ici, pour pas qu'il ait la tête dans le mur, quoi. Donc pour des mobs qui font 2 de haut, il faudra absolument dégager également non seulement ces 3 cases-là, mais aussi la case du dessus. Il en va de même pour les araignées. Si le jeu essaye de faire spawner une araignée qui veut une zone de 3 sur 3 pour pouvoir spawner, le jeu va vouloir absolument qu'on dégage toute cette zone-là de 3 sur 3 autour de cette case où, qu'il testera, quoi. Donc il faudra également dégager un sur les côtés. Bon, l'araignée fait qu'une case de hauteur, donc on n'aura pas besoin de dégager la case du dessus.
mais il faudra dégager d'un bloc supplémentaire sur tous les côtés. Ensuite, ce qui va être très intéressant, ça va être cette zone en jaune, juste ici. C'est ce qu'on appelle la zone de modération. Alors dans cette zone, elle fait 16 sur 16, et puis elle fait 9 en hauteur. En fait, il y a 4 cases au-dessus du spawner, le niveau du spawner plus 4 cases en dessous. Cette zone de modération est très intéressante parce que c'est la zone dans laquelle le jeu va vérifier qu'il n'y ait pas déjà des créatures du même type que le spawner. Et s'il y a des créatures, à ce moment-là, le spawner va se mettre en veille. Donc on va vouloir, nous, sortir le plus rapidement possible les créatures de cette zone. Généralement, ce qu'on voit, c'est que les gens font une espèce de flot d'eau, pour, à peu près à ce niveau-là, hein, pour pouvoir sortir les créatures de cette zone de modération. Mais quand on fait le modèle comme ça, en trois dimensions, quand on le regarde bien, en fait, on se rend compte que c'est pas intéressant du tout. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, on va demander au mob de se déplacer d'au moins 8 cases sur les côtés avant que le spawner puisse à nouveau faire apparaître des monstres. Le plus intéressant, quand on voit ce cube-là, finalement, c'est de se dire, bah, on a 3 ou 4 cases en dessous, là, on a juste à les faire chuter. Bah, par exemple, pour ceux qui vont spawner à ce niveau-là, on a juste à les faire chuter de 3 cases et en dessous, et là on est tranquille, le spawner va tout de suite être actif à nouveau et va pouvoir spawner de nouvelles créatures. Donc le plus efficace, clairement là, ça va être de les faire chuter d'au moins 3 cases en dessous de la zone de spawn, au moins 3 cases, plus le fait qu'on se dise, allez, un squelette ça fait 2 de hauteur donc il faut encore se mettre en dessous. Plus le fait qu'on se dise, quand le squelette va atteindre le flot d'eau, il va peut-être essayer de sauter. Donc, allez, on se met une marge de 2 supplémentaires. Et là, on se rend compte que si on creuse un bon petit trou d'au moins, donc il suffit de recalculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 cases en dessous du spawner. Si on creuse ce trou-là, le spawner ne va pas arrêter de faire sortir des mobs et on va pouvoir les stocker en dessous. Comme vous le voyez dans la zone de 16 cases, dans la zone de 16 blocs dans laquelle il faut se trouver pour que le spawner fonctionne, on a encore largement la place d'installer un système pour descendre la vie des mobs et puis pouvoir récolter l'XP, etc. Donc pour moi l'idéal ça va être de les faire chuter et c'est exactement le système que je vais installer sur le serveur. Allez, on se retrouve sur le serveur. Et puis, pas se faire agresser par d'autres creepers. Et puis, le temps de faire ça, j'entends des gling-gling bizarres. Moi, j'ai mis quoi ? J'ai dû mettre, 10 minutes à tout casser. Ouais. Oula, un creeper là-haut. On va faire le tour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Je crois que j'ai été pranké. Ah, ça se passe de l'autre côté, rendez-vous à côté de ton portail. C'est excellent, un gros cadeau. C'est mon anniversaire, c'est ça ? Ah, il y a du monde. Rabbit ! Un gros cadeau, un gros gâteau. C'est cool, c'est super cool. Excellent, excellent. Je vais voir ça de là-haut. Hello. Ici, va derrière. Allez, ils ont bien bossé, hein. Waouh. Des feux d'artifice. Excellent, excellent. Bienvenue sur le serveur WG. Comme je vous ai dit, un épisode un peu spécial, je vais construire une petite maison pour rendre hommage à des youtubeurs ou à des constructeurs que j'aime beaucoup.
Comme vous voyez, j'ai commencé à nettoyer. Regardez ce que c'est fou. Ce que c'est fou, m'ont mis dans le cadeau. Donc, voilà. Le gâteau, je ne l'ai pas retiré encore. Hein. Merci encore à la petit bonhomme pour son système. Là. Ça me permet de faire des introductions explosives. Et puis, merci pour les gâteaux. Hein. C'est vraiment cool d'en avoir mis partout. Dès que j'ai une petite faim, hop, je grignote. C'est cool. Et, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, ah bah tiens, bah, voilà, je connais. Donc, je vous la montre. Hein, c'est cette image-ci. On va essayer de la reproduire. Et donc, je vais faire ça ici, comme on a vu avec les filles dans le dernier épisode. Vous voyez la maison, je l'ai terminée, j'ai juste fini les petits détails et puis j'ai fait un petit peu d'intérieur sans vous. Donc voilà ce que ça donne, elle est quand même beaucoup plus petite que celle de Miss Dunaway, mais je trouve ça intéressant moi toujours de construire les choses un peu plus petites. C'est vrai que si j'avais doublé la taille, j'aurais eu beaucoup plus de détails, j'aurais pu être plus fidèle, mais je trouve que ça fait partie du jeu d'essayer en petite taille comme ça de faire quelque chose qui corresponde. Pas trop de détails, juste bien suggérer le bâtiment. Donc là, je le trouve vraiment pas mal. Bah, dites-moi hein, ce que vous en pensez. J'espère que ça plaira à Miss Dunaway. Voilà. Donc comme vous l'avez vu à la fin de mon accéléré, j'ai été la victime d'un horrible assassinat. Voilà, donc je trouve ça inadmissible pendant qu'un pauvre constructeur est en train de faire son travail, de se prendre une flèche enflammée en plus. C'est honteux, c'est honteux. Donc voilà, je pense qu'on a vu sur la vidéo, hein, on a une preuve, c'est petit bonhomme qui a osé. Donc, alors, il vient de me faire un cadeau d'anniversaire, donc je peux peut-être pas me venger moi-même, ce serait quand même pas très sympa. En plus, bon, je suis châtelain, hein, maintenant j'ai un palais, donc je ne vais pas me salir les mains. Donc ce que je propose à tous les gens du serveur, c'est ça. Donc je vous montre l'affiche. Donc c'est la tête de petit bonhomme est mise à prix, un bloc de diamant. Donc celui qui filmera le fait de tuer petit bonhomme, hein. Vous tuez petit bonhomme et filmez-le, hein. Comme ça vous aurez une preuve également. Et je lui offre un bloc de diamant. Voilà, je pense que ça peut rajouter un petit peu de fun au serveur. On va s'amuser, voir comment ça fonctionne, comment ça réagit. Donc voilà, je vous encourage vivement à donc assassiner petit bonhomme pour me venger. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on a du boulot. On va finir cette petite tour là-haut, on va finir ce toit par ici, le bâtiment central, on va vraiment bien l'avancer. J'espère aussi faire l'arrière. Donc on a du taf aujourd'hui. Allez, go. Un cercle comme ça, d'un bloc à l'intérieur de la tour. Et je vais monter la toiture là-dessus. Je vais commencer par faire des arches, en fait. Hop là ! Et je fais... Allez, je remonte. Bah, ça commence bien. Tour. Je me suis éloigné un petit peu. Et
J'ai fait un petit test ici, entre le 3, le 4 avec le cercle 3-2-1, et puis 4 bah, sans le cercle, du coup ça fait 5, 3-2-1. Je pense que c'est un petit peu plus sympa, un peu plus arrondi à ce niveau-là. Donc je vais faire ça tout autour, en accéléré, maintenant. Allez, go! Comme on le voit ici, j'ai fini les arches, donc dans chaque coin, comme j'appelle ça, les coins du cercle, et puis sur chaque face. Je les ai ensuite rejoints en faisant des cercles tout autour. Donc généralement, là je suis resté à 7, ensuite je suis passé à 5, donc pour que les cercles soient plus sympas. Donc là j'ai complètement mon squelette de dôme, là. Il est pas mal, je trouve qu'il me paraît sympa. Je vais le remplir. Et puis ensuite, on se retrouve tout en haut pour faire la flèche. Je pense gagner encore un petit peu en hauteur. Donc, vous voyez, on pourrait se dire un dôme, c'est compliqué, etc. Mais finalement, si on y va étape par étape, tranquillement, d'abord les arches, ensuite les cercles autour, à chaque dénivellation, hein, là j'avais compté 4, j'ai fait mon cercle, 3, j'ai fait mon cercle. 2, j'ai fait mon cercle, etc. Donc, ça donne au final quelque chose de vraiment sympa. Épisode un peu particulier, je vais changer quelques-unes de mes habitudes. Et tout ça à cause de Roi Louis. encore Roi Louis. J'ai vu ce week-end, en fait, son live. Et son live sur l'Académie militaire, hein, allez voir. C'est vraiment sympa de le voir en live comme ça, de le voir bosser, voir comment il fait. Et comme d'habitude, ça m'a donné énormément envie. Je me suis dit, mais c'est vraiment génial d'avoir le retour en direct des gens, de voir ce que ça donne quand on a du monde comme ça qui peut directement nous faire des petits commentaires. Et lundi, tout début de semaine, là, je me suis mis, j'ai configuré mon compte et j'ai lancé l'après-midi. Un petit live sur le serveur. Ce qu'on va voir ensemble, c'est, attention, roulement de tambour. Tadam. Hey, ça a pas mal avancé, hein, quand même. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. D'habitude, le coucher de soleil est magnifique. Je fais mon zéphyr, là. Quel magnifique coucher de soleil. Vous voyez, la lumière est allumée. Donc, je me couche. Magique. Donc c'est ce dont je vous avais parlé au dernier épisode encore, on l'avait vu rapidement et je m'étais dit tiens, il faut que je vous montre. C'est le nouveau coffre, c'est ce que j'ai récupéré. Pierre fissurée, pierre moisie et bibliothèque aussi, bibliothèque et barreaux de fer. Pendant que j'y pense, c'est ce qui va me servir à faire les barrières, la grande grille devant le château là. Les barreaux de fer. Donc je reviens à mes moutons. Je vous avais dit que je vous montrerais ce système. Alors, rien de sorcier, mais quand même, faut le savoir. En fait, c'est un système qui me permet de savoir quand je peux me coucher. J'en avais un peu marre, et je pense que vous aussi, de me retrouver devant le lit et qu'ils me disent « Il n'est pas encore temps de dormir. Vous ne pouvez pas encore dormir. Ce n'est pas l'heure de dormir. Il faut attendre qu'il fasse nuit. » Donc, j'ai fait mes petits essais. J'ai même pas regardé sur YouTube si ça existait déjà, tiens. Mais je crois pas, parce que je traîne pas mal sur YouTube et ça m'aurait marqué. En fait, un détecteur jour-nuit ne permet pas de dire quand on peut se coucher ou pas. Parce que le détecteur jour-nuit, il dit simplement à quel moment de la journée on est. Et quand le soleil se couche, le détecteur envoie encore pas mal de signal. Donc j'ai simplement allongé ce signal jusqu'à ce que l'arrivée du signal coïncide avec le moment où on puisse se coucher. Et en fait, c'est tout simple, hein. Ensuite j'inverse le signal. Le signal arrive sur un bloc qui inverse la torche. Donc du coup, dès que cette redstone-là, cette poudre s'éteint, la torche s'allume et la lumière m'indique que je peux me coucher. J'ai plus besoin d'essayer de me coucher et d'avoir le message infernal là qui me dit « il n'est pas temps,
qu'il faut attendre la nuit, etc. Donc là, ensuite, je l'ai installé le plus compact possible, mais il suffit de mettre 1, 2, 3, 4 poudres. Il faut que la dernière poudre de redstone, là, inverse le signal. Et en fait, ça coïncide exactement au moment où le soleil est suffisamment bas pour qu'on puisse se coucher. C'est, vu que je l'ai montré sur Twitch, je vous le montre à vous. Hop ! Et voilà. Donc voilà le petit système qu'on a vu pendant le live. Je suis en train de travailler. Dans le live, ils lui ont trouvé un nom, je vais vous dire ça dans une minute. Sur un système, le but du jeu, c'était que chaque dispenser d'eau, toujours rester sur le principe de la X-Farm en se disant, bon, bah, c'est sympa que ce soit un dispenser d'eau comme ça qui envoie balader les mobs et qu'on les récupère ensuite. Donc ce système-là, je me suis dit, optimisons-le pour qu'il utilise le moins de ressources possible. Et pour l'optimiser, c'est simple, il faut que le bloc d'eau dégage un maximum de mobs. Donc forcément, ça a donné cette forme-là. Ça donnait cette forme un petit peu, voilà, un peu arrondie ou un peu en losange comme ça, de 8 cases. Et bon, j'ai mis 2000 dalles en haut pour que ça fasse 2,5 de haut et en fait que les Enderman spawnent pas, parce que j'avais pas envie qu'ils me prennent un bloc. Ou c'est les seuls mobs. Hein, après les araignées, squelettes, sorcières, zombies, tout ça, ça fonctionne. Et donc ensuite, je me suis pas pris la tête. J'ai fait une petite cloque toute tranquille, une de hopper là. Donc ça, je pense que vous connaissez. C'est deux hoppers qui sont face avec un certain nombre d'items dedans. Et quand le nombre dépasse une certaine quantité, en fait, ça actionne les pistons qui bloquent les hoppers. Donc ça permet, là, le système est calé sur 18 secondes, je crois. Quelque chose comme ça, et donc ça permet en fait toutes les 18 secondes de projeter l'eau et de la reprendre. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près le temps qu'il faut, je crois même que j'ai descendu à 16 secondes, c'est le temps qu'il faut pour que le mob soit doucement poussé par l'eau et tombe. Donc c'est ensuite je laisse le même temps, hein, c'était pas la peine de faire un système trop compliqué, je laisse entre 16 et 18 secondes vide pour que les monstres aient le temps de spawner, et ensuite c'est reparti pour un cycle. Donc là voilà, le cycle s'arrête, là les monstres peuvent spawner pendant 16 à 18 secondes, voilà, on leur laisse du temps, et ensuite clac, l'eau pendant le même laps de temps, et donc à intervalles réguliers l'eau les dégage, ils peuvent spawner, l'eau les dégage, ils peuvent spawner, etc. Donc c'est un système très simple, qui est vraiment facile à faire en survie. Et puis, oui, donc je vous disais, sur le live, ils ont trouvé un nom rigolo. Moi, je disais que ça faisait, je l'ai récupéré par cette bassine d'eau, là. Et donc, ça fait un peu le système d'un siphon. Donc je l'appelais le siphon à mob. Et sur le live, ils disaient, oui, enfin, les siphons, sauf que c'est pour les évacuer, c'est presque un chiotte, quoi. Donc je pense que ça va être son nom, baptisé le chiotte à mob. Je suis pas sûr que ce soit très Peggy 7, comme je le dis d'habitude à Pilou, hein. Donc les toilettes à mob, voilà, où ça les évacue et hop. Bon, là je les ai fait chuter pour les tuer directement, pour pas être embêté sur le serveur créatif. De retour au niveau du palais. Alors aujourd'hui, on va attaquer un peu les accélérés. Je vais, je pense, aménager la pièce d'accueil, le grand hall. Et puis ici, au niveau du dôme, il faut que je fasse là-haut, là. Il faut que je fasse la rambarde tout autour pour finir un peu le dôme. On n'est pas loin, là. On n'est pas loin. Ici, pour le lustre, j'ai pas encore décidé, donc on va avancer doucement, hein. Les bibliothèques, je trouve que ça rajoute un petit côté un peu cosy aussi. Alors j'adore ça, j'adore le sol. Peut-être un petit peu trop, je vais peut-être remplacer une toute petite partie pour faire un beau tapis, comme j'en ai le secret. La cheminée, des simples escaliers. Et puis, tadam, le laboratoire secret. Alors, on va s'amuser à faire des petites expériences. On va faire un petit test. Je vous ai dit qu'on ferait de la
redstone dans chaque épisode. Donc, on va faire un petit test. En fait, ce que je voulais, ici, au niveau de la cheminée, pour commencer à travailler sur le concept, je voulais pas un dispenser sur le côté qui allume la Netherrack. La pierre du Nether, je voulais pas que ce soit un dispenser sur le côté, parce que sinon, c'est trop évident, quoi. C'est trop évident que c'est un passage secret. Donc, un passage secret, ça doit rester secret. Donc, j'ai fait un petit test. Avec un briquet, je me suis dit l'idéal donc ce serait que le dispenser soit en dessous comme ça et que le briquet soit en dessous. Malheureusement, ça l'allume pas. Donc je vais pas m'avouer vaincu comme ça. J'ai fait un autre petit test. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui permet d'allumer dans Minecraft? Il y a une deuxième chose quand même qui permet d'allumer, et c'est tadam, les boules de feu. Alors, les boules de feu, je me suis dit, quand on tire dans un dispenser à la verticale, ça peut allumer un bloc quand même. Donc, je vais essayer dans ce sens-là. Miracle. Tadam. Donc, pareil que le détecteur jour-nuit pour le lit, c'est quelque chose dont il va falloir que je fasse un petit Minecraft pratique quand j'aurai fini la cheminée, parce que ça, je l'ai vu nulle part. C'est vraiment magique. Hop, ça... Ouh, j'ai faim. Je commence à bien m'amuser là. Et puis le fait d'intégrer plus de redstone, ça fait remuer les méninges. C'est sympa. Ah, j'ai du courrier. Alors, Matt30bis, bonjour. Tout d'abord, je tenais à te dire que j'aime beaucoup tout ce que tu fais. Ça, c'est super sympa. Vous êtes adorable en général. C'est vraiment super cool. Et deuxièmement, quand feras-tu ton retour sur le serveur WG? Eh ben, je crois que c'est maintenant. Allez, c'est parti, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'être venu ici. Bon, pour ceux qui suivent l'actualité du serveur, hein, vous voyez, abandonner son palais pendant quelques temps, c'est pas bon, hein, la végétation reprend tout de suite le dessus. Bon, comme vous le savez, donc on a été absent pendant quelques temps, mais c'est pas grave. Oulala, bon, il y a des toiles d'araignée partout, ça va être un peu l'enfer. Alors, mon beau Alfred, comment ça va? Je t'ai pas trop manqué? Ah bah si, moi aussi. Hein. en tout cas, je vois que t'es très efficace, dis. Et quand ils sont passés pour mettre tout ça, les autres, là, non? Ça t'embêterait de surveiller un peu le truc, non? Oh. Ouais, d'accord, je comprends. Bon, allez, hop. On va enfin... manger des patates. Attention. Tadam. Ah, avec squelette. C'est peut-être moins drôle, ça. Attendez. Je croyais qu'il y avait un donjon. D'accord, je suis derrière le coffre. Bon, déjà, il y a deux coffres. C'est un donjon squelette, voilà. Mais pourquoi il y a des araignées, alors? C'est pas tant. Il y a en fait, voilà. Ok. C'est bon, les gars. C'est un double donjon, alors. On joue à cache-cache, là. Ça fait longtemps, hein, Fred. Hop. Attention. Et je vais vous montrer ce que ça donne, en fait. Quand on arrive du portail, voilà, juste ici, on se retrouve dans une espèce de petite place, comme ça,
qui est surmonté par un petit perron avec un double escalier un peu arrondi de chaque côté. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai juste posé quelques blocs de cobble pour se donner une idée. Hein. C'était déjà pas mal de taf de recreuser tout ça. Donc, c'est exactement l'effet que je voulais donner. Hein. C'est assez sympathique d'arriver, de surplomber comme ça le portail. Ici, je ferai une très, très belle porte gothique. Je vais la faire assez grande. Le portail, on peut les agrandir maintenant. Ça va être cool. Et puis, donc, l'effet que je voulais donner, voilà. Juste ici, au niveau de l'arche, dans l'arche, c'est une espèce de fenêtre comme ça d'église, un peu gothique. Je vais retirer le... Voilà, c'est... je voulais vraiment donner cet effet-là, et puis avec la lave derrière, je trouve ça sympathique. À travailler un petit peu sur le projet qui a reçu le plus de votes, hein, 40% des votes, c'est le projet commun sur le serveur. En fait, c'est une ville commune sur laquelle on va tous construire une petite maison et puis on va un peu avoir un peu plus d'interaction puisqu'on sera ensemble au même endroit. Donc j'ai travaillé un petit peu sur un design. Alors, il y a eu un vote sur le forum WG pour déterminer un petit peu le style qu'on voulait donner à cette ville, à ce village. Alors, ce sera plutôt une ville, hein, parce que connaissant certains du serveur, genre Pilou, hein, qui sont des bâtisseurs fous, ça risque de grandir assez rapidement. Donc l'idée, c'était un peu médiéval, mais aussi un tout petit peu Renaissance, donc une période qui correspond un petit peu à mon palais. Et puis, avec un. Je ne vais pas trop travailler sur l'arrière. Avec une idée un petit peu fantasy, un peu plus. Pas forcément très historique, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler sur cette idée-là. Bon, Halloween est passé, hein, va falloir que je nettoie tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une ruine. Non. Tout à coup, vous sentez un froid intense vous parcourir. Vous avez l'impression d'être observé. Vous sentez quelque chose passer rapidement dans votre dos. Votre instinct vous dit de reculer. Écoutez-le. D'accord. Allez. Allez voir mes moutons. Donc je prends une base rouge. Voilà. Je vais faire la même chose qu'avec l'autre bannière, c'est-à-dire que je vais commencer par tracer. Je fais pas le noir, du coup je fais directement le jaune. Je vais tracer un X. Comme ça. Je vais faire les petits arrondis en haut. Les petits arrondis en bas. Je vais également mettre un symbole de fleur en jaune au milieu. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un losange rouge au centre. Voilà. Et enfin, sur ce losange, je vais mettre un rond. Je vais mettre un rond jaune. C'est juste un point au milieu. Voilà, donc les couleurs de la Normandie, jaune et rouge, mais avec un petit symbole différent. Je trouvais ça sympa, on a l'impression d'une orbe au milieu, qui est soutenue par des espèces de pieds ou de flammes, comme vous voulez. Voilà, avec Pilou, parce que je crois que tu as un truc à récupérer là-haut. Là. Non ? Non. Non. Il est très bien où il est. Moi aussi, chapeau en cuir, apnée 2. Jambière en or, protection 2, et puis le reste du fer tout pourri. Chapeau melon et bottes de cuir, allez vas-y. C'est ça. Avance. Et cette fois-ci, n'écoute pas ton instinct. Tout à coup, vous sentez un froid intense vous parcourir. Vous avez l'impression d'être observé. Ah
Vous sentez quelque chose passer dans votre dos. Passe devant. Et là, votre instinct vous dit de reculer. Écoutez. Alors, allez. Non, reviens ici. Reviens. Je ne suis pas bougé depuis ma cité pour venir pour te voir. Arrêtez, la mort s'abattra sur ces contrées. Ça ne me rassure pas vraiment. Bernicus. Ah,